Et salut à tous, c'est MisterPhanax pour une nouvelle vidéo de Dragonia 5985, le jeu de rôle. Ouais. Et salut vous. Ouais. Ouais. Alors, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, Frosty n'est pas ici. Et oui, il est parti, et donc il sera, pour cet épisode au moins, joué en tant que PNJ, voilà, le pauvre. Mettez des pouces verts si vous voulez que ça dure et que Frosty... Putain, méchant. Bah quoi, c'est vrai. On prend en compte la vie des spectateurs, écoutez. Oui. Donc, dans le précédent épisode, nos héros avaient interrogé donc l'attaquant qu'ils avaient réussi à capturer, et celui-ci leur avait révélé quelques informations. Donc, pour résumer, il faisait partie des Protecteurs de l'Ombre, un groupe de chasseurs de loups-garous amateurs, en fait, surtout des paysans qui avaient été rassemblés par un grand seigneur de la région. Et bien sûr, comme nos héros étaient très compétents, ils n'ont pas pensé à lui demander son nom. Pourquoi tu as fait un arrêt de syllabes? Quoi? Pourquoi t'as fait un arrêt de syllabes quand t'as dit très compétent? Parce que c'est un... voilà. Ça résume le truc. Effectivement. Et j'étais le seul à l'avoir remarqué cet arrêt. Eh. Non mais je m'en foutais moi. Je vous insultais pas, je vous jure. Donc, après avoir recueilli ces quelques informations, nos héros ne perdent pas de vue leur objectif qui est donc d'amener Spiritus à la ville la plus proche pour le faire soigner puisqu'elle a été empoisonnée à l'afroxite, un poison rare qui peut tuer un loup-garou en moins de 2 jours. C'est pour ça que c'est surnommé le culot. Ouais, oui. Ouais. Et ce que vous avez également... vous avez également révélé ce personnage, donc, dont les camarades avaient été à l'origine de l'empoisonnement de Spiritus, c'est que ce poison, il l'avait acheté à une alchimiste qui habitait justement dans cette ville, la ville de Lithier. Et donc, à Lithier, normalement, vous pourrez retrouver l'alchimiste, et avec un peu de chance, un antidote. Alors, sinon, on lui pète la gueule. Je remarque aussi une autre chose. Ce rocher change du décor. Ouais. Oh bah ça va. Bon. Si vous voulez savoir dans les coulisses du jeu de rôle, en gros en dessous il y a un puits, mais je voulais pas qu'il y ait de puits, donc j'ai mis un rocher par dessus. Ah. Il y a un puits magique sous cette pierre. Il n'y a pas vraiment. Non, pas les puits. Est-ce que c'est un puits de vodka? Ça part en steak. Dis oui. Et donc ça fait quasiment une demi-heure que vous marchez. On est en fin de journée puisque vous avez profité de la plus grande partie de la journée pour vous reposer. Et où mon champignon, je le vois plus. Ah, il est là. Vous êtes descendu des collines. En discutant et en vous rapprochant lentement de la ville, voir, puisque enfin mon invoque aussi, puisque Frost lui connaît le chemin. C'est cette ville qui vient. Et donc sur le chemin, Okino a eu tout le loisir de vous montrer sa petite créature qu'il a invoquée lors de l'épisode précédent. Et que j'ai appelé Valiel. Les vrais comprendront. Et oui, les vrais savent. Hashtag Valiel is back. Donc Valiel qui est effectivement une sorte de petite créature, pas très puissante, et souvent pas très docile, mais que Okino, grâce à son magnifique talent, a réussi à totalement soumettre à sa volonté. Ouais, et donc Valiel se promène avec lui, en attendant de pouvoir lui rendre service. Oui, maître. Sérieusement. À présent, donc, vous avez descendu la colline sur laquelle vous aviez établi votre campement, et vous êtes sur la grande route, et vous voyez devant vous un voyageur qui a l'air, qui semble richement vêtu sur un cheval, et qui a l'air debout sur avec son cheval surtout. Ne critique pas les effets spéciaux. Et donc, il semble plutôt bien habillé, et qui chemine tranquillement. Il n'a pas l'air de remarquer votre présence. Okino, fais-moi un test d'intelligence. Ok, ça commence déjà, ça va mal se finir, ça passe. 62, très bien. Donc pendant que vous vous rapprochez de cet homme, puisque vous avancez un peu plus vite que lui, pendant que vous vous rapprochez de cet homme qui chemine tranquillement, Okino, tu ressens une sensation un peu dérangeante. Tu ressens qu'une aura de magie émane de cet homme. Apparemment, cet homme contrôle plutôt bien la magie. Spiritus, les autres, que faites-vous? Bah, on continue à marcher, hein, tant qu'il n'a pas l'air aussi agressif que cela. On peut pas essayer. Ça devrait être bon. Après, est-ce que Okino nous a prévenu qu'il ressentait? Non, je ne dis rien tant que je ne suis pas sûr de ça parce que. Attends, donc du coup, on ne sait pas, on s'en doute pas qu'il a un lien avec la magie, donc on avance en se disant oh c'est juste un riche comme ça. Sinon, on peut essayer de l'attaquer direct, hein. Ah, ça marche. Surtout le planqué Spirit Wolf. Est-ce qu'il a pris son apparence humaine avec son amulette? Oui, d'ailleurs, faudrait que j'apprenne ça. Faudrait que je fasse. Ok, bah oui, évidemment, effectivement. Je vais pas changer ton token pour ça, mais on admet que effectivement, avant d'arriver sur la grande route, en voyant tous les voyageurs qui passaient, tu t'es dit que c'était peut-être plus prudent d'enfiler ton amulette magique de loup-garou qui te permet de ressembler, enfin, de donner l'illusion aux autres que tu es un être humain. Parce que physiquement parlant, tu es toujours un gros loup-garou. Hein. Et en vrai, tu donnes l'illusion aux autres d'être un humain, mais en vrai, tu es bien un loup-garou. Ce qui fait que quand tu passes à côté d'un truc, c'est normal que ça tombe, même si tu le touches pas, ça serait logique, non? Ah bah, oui, effectivement. Si quelqu'un essaie de te serrer la main, il va juste se cogner la main contre ton avant-bras ou je sais pas. Non, je vais lui broyer la main, c'est pas pareil. Et donc, pendant que vous vous approchez de l'homme, tranquillement, Okino, toi tu es légèrement sur tes gardes. Parce que je suis à l'avant aussi. Hein, parce que souvent les mages t'accueillent plutôt mal, puisque beaucoup se méfient de la magie noire. Et s'il y a un prêtre, ça marche ou... Un prêtre, ça peut apaiser. Un mage noir et un prêtre, ça peut faire en sorte de les contrôler, quoi. Ouais, ça contrebalance, ça va. Et donc, l'homme ralentit. Et je suis légèrement devant, hein, je le précise. Il ralentit et puis il jette un coup d'œil derrière lui. Oula. Okino, toi, tu sens comme un petit remous dans l'énergie magique autour de toi. L'air vibre légèrement et tu sens que cet homme utilise son pouvoir. Et tu as soudain l'impression que l'homme voit clair dans ton jeu, qu'il sait parfaitement qui tu es malgré ton amulette. Je le savais, j'étais en train de regarder ma fiche et je vois de nouveau que des mages très entraînés et très puissants ne se laissent pas avoir par mon illusion. Merde. On est repéré, putain. Donc après un rapide examen, l'homme subit légèrement et arrête son cheval au milieu de la route. Bonjour, voyageur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez de l'alcool? What? Désolé, mais... Et vous avez alors l'occasion de mieux l'observer. C'est un homme d'âge mûr. On a avancé entre temps. Donc un homme d'âge mûr, avec des cheveux gris et des yeux verts étincelants et pleins de vie et d'intelligence. Ça n'est pas l'air d'être n'importe quel péon. Moi j'arrive, vu qu'il est descendu de son cheval ou il est toujours dessus? Ah, il est dessus, il tient la bride et il attend de voir ce que... il attend de se parler visiblement. Je devine facilement qu'il a... vu qu'il s'est retourné, je devine facilement qu'il y a quelque chose qui intrigue dans notre groupe. Je ne pense pas que c'est Spirit. Je ne le sais pas. Mais il y a quelque chose qui l'intrigue. Avancer le PNJ là. Ah le... Ouais d'ailleurs. Ah, oui. Frosty. On l'a dit. Pauvre Frosty. Donc Frosty vous suit. Voilà. Discrète. Ah, ça fait bizarre d'avoir un Frosty silencieux. Et je lui pose la question. Eh bien, qui êtes-vous donc et pourquoi vous arrêtez-vous? Je lui pose la question. Poliment. Oh, mais on n'a pas le droit de converser avec des voyageurs. Mais si, justement, c'est pour cela que je vous demande. Ça. Eh bien, je voulais juste vous souhaiter la bienvenue. Ah, merci. Dans notre beau pays, j'ai l'impression que vous n'êtes pas d'ici. Surtout, pas vraiment. Pas vraiment. La gueule, c'est ça? Le nain, ta gueule. Volker qui voit les complots partout. Les complots de la soleil. C'est quoi ce racisme? Eh bien, voyager sur les routes est dangereux, n'est-ce pas? Surtout quand on est quelqu'un comme vous. Et il regarde Spiritus. Je vois que vous avez compris. Bon, je vais vous dire... Okay. Un camp entier de tueurs de loups-garous n'a pas fait de long feu, et c'est le cas de le dire. Oh. Mais je suis peace and love, my brother, je le jure. Peace and love, my brother, je ne connais pas cette langue. Oh, des chasseurs de loups-garous. Ainsi, je vois que vous êtes déjà tombé sur certains de mes compatriotes. Excusez-moi, ils ne sont pas tous aussi compréhensifs que moi, je crains. Dans ce pays, vous allez devoir vous montrer plus prudent. Enfin bref, je me présente. Je m'appelle Ovarel, et je suis un conseiller envoyé par le roi du pays pour visiter la région. On m'a dit qu'il y avait énormément de problèmes avec les loups-garous en ce moment, alors je suis là pour pacifier un peu ça. Ah ouais, je confirme, c'est à cause du mage noir. Eh, hey, j'ai rien foutu moi encore. Un mage noir. Les mages noirs sont interdits par le royaume. Fuck you. Et il se retourne. Ah non mais ça va, et moi je suis un prêtre blanc. Moi je suis un prêtre blanc, ça va. Hein. Moi enfin, ce que vous faites de votre magie ne me regarde pas. Tant que vous n'agressez pas les gens. Ah ouais. À part les agresse, et faites attention, tout le monde ne sera pas aussi tolérant que moi. Oh, enfin, je m'en doute. Et d'ailleurs, ne connaissiez-vous pas un moyen d'acquérir facilement un anti-poison par rapport à la fléchette qu'a reçue notre ami? Bonjour. Ah, il a été empoisonné. Oui. Oui. Un poison, dites-vous. Eh bien, oui. Je me rends à Lithier, et c'est peut-être là que vous allez. L'alchimiste qui vit est apparemment assez réputé. Je ne sais pas si vous pourriez y trouver un antidote, mais... C'est votre principale chance. Excusez-moi, mais je n'ai aucune compétence dans ce domaine. D'accord, merci bien. D'accord, merci quand même. Tu veux pas lui poser une question avant? Oui. Juste, petite question. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi compréhensif? Mais il y a des gens comme lui et moi. C'est moi qui lui coupe la parole. je suis avec un prêtre blanc, en étant un mage noir, avec un loup-garou et un assassin. Pourquoi lui ne pourrait pas être compréhensif? Bah oui. Ouais. Effectivement, il y a tout en ce monde et rien n'est fondamentalement mauvais. Ceux qui pensent que les loups-garous ne sont que des monstres, ce ne sont que des idées reçues, des contes de bonnes femmes. Tout comme les mages noirs, j'en ai connu des très sympathiques. Enfin quelqu'un d'intelligent, putain. Pas tant que ça, mais bon. Juste une question, est-ce que moi aussi j'ai ressenti un peu son pouvoir quand il regarde avec ses yeux verts et ainsi de suite? Maintenant que tu t'es approché, tu ressens assez clairement et tu te dis que c'est quand même un des... Ça te surprend parce que c'est un des mages les plus puissants que tu aies rencontré depuis de nombreuses années. Donc je continue à parler. Oui, oui, mais excusez-moi, vous n'êtes pas un maître démon par hasard? Un maître démon? Voyons, vous êtes un véritable prêtre, vous. Non, pas un maître démon, un maître des montagnes, si vous préférez. D'accord, effectivement. Un maître élémentaire, plus exactement, proche de la nature, mais... si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je ne suis qu'un vieux mage comme un autre, un citadin. Je respecte profondément le mode de vie des montagnes, mais non. Mais la puissance s'acquiert par la vieillesse et la sagesse. Pas forcément. Oui, prenez mon exemple. Il y a le jeune derrière. Pas forcément. Oh, j'ai longtemps étudié, je me suis beaucoup entraîné. Et puis, sans vouloir me vanter, j'ai un certain don inné. Si seulement on pouvait parler de don pour moi. Oui. Et là, il y a Valiel qui fait mon maître puissant. Oui, oui, merci. Tais-toi maintenant, tais-toi. C'est cela, votre désir. Et il se tait en se cachant un peu. Et donc, Ovarel continue. Très bien. Je voulais simplement vous prévenir de faire très attention par ici. Je vois que vous avez déjà été averti par ces bandits. Oui, plus ou moins. En tout cas, quand je serai à Lithier... d'ici peu. Donc, si vous voulez venir me parler, surtout au sujet de vos agresseurs, pour que je puisse faire quelque chose contre ce type d'organisation, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai probablement au château. Très bien. Mais... Et sur ce, il tourne bride et part au galop. Je peux lui poser une question en gueulant ou un truc comme ça? Oui. Attendez, avant de partir, maintenant que nous avons échangé des politesses, pouvez-vous me dire ce que vous savez sur le royaume de Bas-Soleil? Vous qui êtes proche du roi. le royaume de Bas-Soleil? Ah. Vous ne seriez pas Bas-Soléen, vous? Pas exactement, non. Enfin, oui. Le Rentila a toujours eu des rapports plutôt amicaux avec Bas-Soleil. Nous n'avons pas toujours été d'accord, surtout à propos de nos dieux, mais... Bas-Soleil est encore un royaume plutôt affaibli. Vous êtes peut-être au courant, il y a eu une guerre civile il y a quelque temps. Ah oui, je n'étais point au courant. Dites-moi plus sur ce que vous savez. Et Volker, si tu commençais par lui expliquer pourquoi tu n'es pas au courant. De très concerné pourtant. Je me renseigne juste. J'ai cru entendre que de nombreux blessés s'exilaient de ce pays. Et en tant que prêtre, cela me touche beaucoup. Comme je vous comprends. Enfin, Bas Soleil, pour l'instant, est plutôt retombé dans une certaine tranquillité. Le roi a été renversé il y a de cela 4 ans à peu près. Et depuis, le nouveau gouvernement essaie de remettre de l'ordre, essaie de restaurer les anciens cultes. Le peuple s'apaise, mais j'ai l'impression que ce pays ne sera pas revenu à la paix véritablement avant quelques années. Merci. J'ai eu les informations que je cherchais. Très bien. Eh bien, peut-être nous retrouverons-nous à Lithier. Bonne chance, voyageurs. Bonne chance à vous aussi et bon courage à vous. Merci. Bonne chance. Et donc, vous sentez soudain une violente force magique et le cheval d'Ovarel semble se déplacer dans une mer de brume et il semble flotter au-dessus du sol et vous le voyez disparaître à l'horizon. C'est un putain de magicien, je veux apprendre ses tours. Et plutôt sympa. Moi je m'en fous, j'ai eu mes informations. Il cache quelque chose. J'en suis sûr. Oui, mais j'ai quand même mes informations. Mais il donne une bonne impression. C'est une démonstration de frime. Quand même. Ah mais ça j'ai compris que c'était de la frime. Hein. C'est vrai que il dit qu'il est dans le château, qu'il connaît beaucoup les associations de loups-garous. Si vous avez écouté au début, il a dit qu'il en faisait partie. Carrément. Oui, notamment. Donc c'est vrai que faut faire gaffe. Il faisait partie de quoi? Tu as dit qu'il faisait partie de du groupe. Oui, des loups-garous. Non, non, il connaît ça. De citoyens. Il est envoyé par le roi pour enquêter là-dessus. Ah d'accord, j'ai mal compris. Ah. C'est un envoyé du roi en province. Non, c'est pas un chasseur de loups-garous, le pauvre. D'accord. Juste une question, est-ce que il m'a pas pris un peu pour un abruti ou un peu comme ça? Parce que... Ah bah... Tu as ressenti quelque chose d'assez déplaisant parce que tu avais l'impression qu'il voyait parfaitement clair dans tout ce que tu voulais lui dire sans vouloir vraiment tout lui avouer. Bah, c'est pour ça que j'ai pas été plus loin, je savais ce qu'il pensait. C'est vrai que t'avais un peu senti... Tu sentais que cela semblait l'amuser un peu. Moi je sais juste que s'il avait essayé de m'atteindre, ce serait mal fini pour lui. Bon, je pense que ton familier aurait fait « Mais je vous sauverai, mais... » Non, je pense surtout qu'il se serait pris un éclair dans la gueule s'il avait essayé. Oui, notamment. Donc vous continuez votre chemin vers la cité de Lithier, donc, en suivant les traces d'Ovarel qui part avec son cheval jet privé. Voilà. Et après 4 bonnes heures de marche, vous arrivez finalement en vue de la cité.